Bonsoir tout le monde. Bienvenue avant la séance régulière. Il y a une assemblée de consultation publique pour modifier le règlement de zonage. Alors, Mme Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est avec nous. Je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, on va vous présenter le projet de règlement 2023-12-33. Initialement, le projet de règlement devait porter sur une modification du texte réglementaire qui concernait la protection des sources communautaires d'approvisionnement en eau potable et sur une modification au plan de zonage concernant les zones 5003 et 9138. Cependant, il y a une partie du règlement qui concerne les modifications des limites des zones 5003 et 9138 au plan de zonage dans le quartier de Clerici qui va être retiré du projet de règlement final suite à l'annulation de la demande par le demandeur pour des raisons d'abandon du projet. Donc, notre projet sera plus court ce soir. Donc, ça, c'est les parties de règlement qui vont être annulées, qui étaient initialement les articles 2 du règlement de zonage. Donc, notre modification réglementaire, en fait, c'est que la loi sur la qualité de l'environnement mentionne qu'un règlement municipal ne peut pas porter sur le même objet qu'un règlement découlant de la loi, ni même être plus sévère que ce règlement-là, à moins que celui-ci soit approuvé par le ministre de l'Environnement. Les articles présentement, notre règlement de zonage, les articles 401 et 402, qui concernent la protection des sources communautaires d'approvisionnement en eau potable, ils reprennent certaines des dispositions qui sont prévues au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le RPEP. Cependant, il y a certaines dispositions qui ne s'arriment pas totalement avec la réglementation provinciale. Notamment, il y a certaines activités qui sont interdites dans notre règlement, alors que au RPEP, il n'y en est pas mention. On est donc plus sévère que la réglementation provinciale et on ne peut pas être plus sévère, considérant que notre règlement n'avait pas fait l'objet d'une approbation. Et aussi, notre terminologie qui est utilisée, ce n'est pas la même que la réglementation provinciale. Donc, notre règlement est en sorte pas valide. Cependant, c'est toujours le RPEP qui s'applique. Il y a préséance, donc c'est lui qu'on applique déjà. On applique déjà le RPEP. Donc, pour éviter de la confusion quand vient le temps d'émettre différents permis ou d'appliquer la réglementation, on va venir supprimer les articles 401 et 402 de notre réglementation de zonage et ça va être vraiment le RPEP qui va s'appliquer comme il est déjà prévu à la loi et à la réglementation provinciale. Donc, au niveau du calendrier d'adoption, il y avait eu un avis de motion du règlement qui a été présenté le 9 janvier avec l'adoption du premier projet de règlement. Il y a eu par la suite la publication de l'avis public de consultation. Ce soir, on en est à l'Assemblée publique de consultation. Par la suite, le Conseil pourrait adopter ce soir le second projet de règlement avec modification. Comme je vous expliquais, on va retirer la disposition qui concernait les limites des zones 5003 et 9138. Il se pourrait qu'il y ait un avis public à l'attention des personnes habiles à voter, mais ça reste à valider puisqu'on a retiré certaines dispositions. Il n'y aurait peut-être pas d'avis non plus de second avis public à faire, donc on va s'ajuster en conséquence. Il y aurait par la suite l'adoption finale du règlement au cours du mois de mars et une entrée en vigueur au mois d'avril. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires de citoyens, citoyennes présents? Sinon, merci beaucoup, Mme Banville. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait tout de suite poursuivre avec la séance publique. Juste le temps que notre directeur général prenne place. Alors, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vois dans la salle d'anciens collègues. Bonsoir, M. Philippon. Alors, bienvenue aux citoyens présents et à ceux qui nous suivent à la maison. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui,
donc plusieurs ajouts ce soir. Dans les affaires générales, en 6.3.2, une autorisation de signature d'une entente pour une réservation de terrain dans le secteur de la rue Bureau. Ensuite, dans la correspondance, un appui au projet pilote du Centre local de développement. Dans les affaires politiques, une demande d'aide financière dans le cadre de municipalité Amis des aînés, MADA. Dans les avis de motion, un règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre la construction de bâtiments résidentiels. Un autre projet de règlement modifiant les articles du règlement 2009-612 concernant les cotisations à être payées par les membres de la Société de développement commercial du centre-ville de Rouyn-Noranda. Et dans les règlements, dans le fond, qui auront fait l'objet d'un avis de motion, ainsi que suite à la consultation publique, le second projet de règlement pour les dispositions de protection des sources d'approvisionnement en eau potable. Bien, merci beaucoup. Donc, un proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Sébastien Côté. Je l'appuie, Samuel Ramzioul. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 23 janvier 2023, avec dispense de lecture. La proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Samuel Ramzioul. Merci beaucoup. Au point statutaire, au niveau de la qualité de l'air, simplement vous dire bien, que, comme vous l'avez appris dans les médias, bien, la fonderie a demandé un délai de 2 semaines supplémentaires pour fournir ses observations sur l'autorisation ministérielle qu'elle a reçue du ministère de l'Environnement. Ça, ce délai-là, c'est une disposition qui est prévue par la loi. Donc, on sait que le dossier chemine, mais on est en attente et que le tout soit rendu public. Alors, ce sera très prochainement. Au niveau du plan de valorisation, vous savez que la Ville a déposé un mémoire dans le dossier de la qualité de l'air, dans le dossier de la fonderie, mémoire dans lequel on parlait d'un fonds de relance. Alors, en lien avec un plan de valorisation, pendant que le ministère s'affaire à l'attestation ministérielle, bien, de notre côté, on travaille à élaborer un plan de valorisation. Et on a entamé sérieusement, au cours des dernières semaines, un travail pour identifier des actions qui, au-delà du plan de réduction des émissions de la fonderie, va permettre à notre ville d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens et ses citoyennes. Alors, on travaille sur un plan d'envergure afin de pallier aux impacts négatifs liés aux émissions passées et actuelles de la fonderie Orne. Ce plan inclut bien sûr des actions en environnement, c'est clair, mais aussi en innovation, en santé. Alors, on a consulté aussi des comités à ce sujet-là et tout ça, puis on va vous donner plus d'informations dans les prochaines semaines, mais c'est sur quoi on travaille présentement ardemment. On est en 4, aux demandes des citoyens, si vous êtes présents et souhaitez vous adresser au conseil, vous identifier votre adresse, ça nous permet de faire un suivi et le but de votre présence. On vous attend. Si vous avez quelque chose à adresser au conseil, c'est le temps. C'est comme quand vous faites un... C'est comme, M. Lemay, quand vous faites un mariage, là. C'est tout de suite ou il faut vous taire à jamais? Je vous suggère de surveiller et de parler à votre conseiller judiciaire. Mon conseiller, c'est lui qui me dit quoi dire. Bonjour, Marc Lemay. Je suis membre du conseil d'administration du Parc à chiens. Je sais qu'il y a une résolution qui va être demandée dans quelques instants. Je voulais juste vous entretenir 3 petites secondes pour vous dire que le parc à chiens de Rouyn-Noranda a à peu près autour de 200-250 membres. Je parle de chiens, bien évidemment. Je ne parle pas des parents. Sur ces 200 membres, ce soir, par exemple, il y a à peu près 20 de chiens. C'est une augmentation considérable depuis le premier protocole il y a 3 ans. Et on pense qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, on devrait atteindre le 200, 250 au minimum chiens en règle. J'ajouterais que
On va se reparler sur une proposition, en tout cas sur une demande concernant l'homme qui est à côté de moi, mais qui nous a donné 16 ans pour que le parc à chien existe. On règle pour 14, c'est toujours mieux. Ça coûte moins cher. Mais j'aurai l'occasion de vous de revenir et de rencontrer le président de votre du comité de toponymie. Ça vous dira quelque chose à un moment donné. On est en train de travailler sur ce dossier-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou en tout cas si les membres du conseil ont des questions. Moi, je suis prêt à répondre. Je pense que moi, je suis là depuis 2 ans. Fais-tu 2 ans? Bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'à ma retraite, on m'a donné un cadeau, un chien. Et donc, ça fait en sorte que, malgré M. Chevalier, je m'entraîne tous les jours. Et je vous dirais, en passant, et je peux en parler, il n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Les sentiers de Rouyn-Noranda pour les chiens sont extraordinaires. Je parle des sentiers du lac Rouyn, je parle des sentiers de Sénateur, je parle des sentiers de Kiwanis, je parle des sentiers de Baudry, je parle des sentiers d'Alembert. Puis je pourrais vous en nommer de même tout l'après-midi jusqu'à Kekeko, là. Mais c'est assez exceptionnel ce qu'il y a autour de Rouyn-Noranda. Et malheureusement, beaucoup de monde ne le savent pas. Et c'est pas juste le ski de fond, la raquette, c'est aussi beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui se promènent en couple et avec leurs animaux. Et je vais vous dire une chose, c'est vraiment extraordinaire, les sentiers qu'il y a autour de Rouyn-Noranda, on n'en profite pas assez. Ça, c'était mon message du commanditaire. Puis là, je suis prêt à répondre à vos questions comme... Et généralement, chacune des questions coûte 50 $, fait que choisissez... non, excusez, c'est vrai. Ah oui, je voudrais vous présenter M. André Philippon. Non, je ne parlerai pas trop longtemps. Marc dit ce que tout le monde pense. Puis je suis venu ici pour modérer Marc. Pourquoi qu'il parle trop? Mais là, vous les laissez aller. Mais vas-y, Marc, s'il y a des questions, il va vous répondre. En fait, moi, je veux juste dire, bien, merci pour les bons mots sur les sentiers, le territoire extraordinaire, c'est vrai. Puis merci de le dire, ça fait du bien de l'entendre. Puis oui, M. Philippon, vous avez porté ce dossier-là. Ceux qui étaient là dans le temps, c'est les gens qui peuvent bénéficier aujourd'hui du parc à chien, bien, les membres qui peuvent en bénéficier, les parents. Bref, on doit avoir une fière chandelle à M. Philippon parce qu'il a vraiment... Puis on est heureux. Puis s'il y a des conseillers, conseillères qui ont des commentaires ou des questions, libre à vous, mais je veux juste dire à quel point on est heureux de voir le succès. C'était un besoin, vous l'avez dit à maintes reprises, c'était un dossier qui était quand même complexe, mais c'est réalisé, et ça répond, les gens sont heureux, puis nos animaux sont heureux. Moi, je passe à tous les jours. J'avais deux gros dossiers, excusez, j'avais deux gros dossiers, ça a été long, mes deux dossiers. Oui. Ça a été long, c'est quand? Oui. Ça a pris 14 ans, c'est tout ça? Mais il est fait. Je n'ai que des félicitations. Et on trouvera une façon d'honorer, de son vivant, M. Philippon, je peux vous garantir, au niveau du conseil d'administration. Voyons donc, au niveau du conseil d'administration. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, je ne veux pas être plus long, je sais que vous avez une grosse réunion. Un commentaire, M. Bouillou? Justement, un commentaire pour être aussi sur le délégué là, par le conseil municipal sur le refuge de la Bonne Étoile, sur le CA. On a vu aussi avec la pandémie, il y a énormément de gens qui ont contré la solitude avec des animaux de compagnie. Donc, chiens, chats et tout ça. Et donc, ça arrivait, ma foi, vraiment à point là, de pouvoir avoir un parc à chiens. Il y a sans doute aussi de ça. Puis, on parle des sentiers, qualité de vie que les gens peuvent avoir avec plusieurs choses qui sont organisées à Rouyn, mais aussi pour la qualité de vie personnelle. Les gens ont beaucoup se sont tournés vers ça. Donc, c'est un bel élément là, sur lequel on a pu compter. Merci d'être venu ici pour nous en présenter. Je vous dirais complémentaire, une chose qu'on a remarquée au cours des derniers mois, de la dernière année, c'est, je vais faire attention diplomatiquement comment je vais le dire, là, mais c'est le phénomène monoparental. Puis on commence à vérifier, à regarder ça. Vous savez que je suis avocat, je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité, des assurances, au niveau du parc à chiens, parce que le parent,
ou les parents, mais généralement c'est le parent ou la parent, ou en tout cas un oui, qui se rendent au parc avec le jeune enfant. Et c'est là, là qu'on on commence à regarder ça de très près. On en a parlé avec M. Mercier, on en a parlé avec M. Tousignan. On va essayer de trouver des solutions, pas draconiennes pour expulser le monde. Là, c'est pas ça l'objectif. C'est qu'il y a une question de sécurité. Quand vous arrivez au parc à chiens, qu'il y a 22 chiens et qu'il y a un enfant de 2 ans qui se promène, c'est un parc à chiens. Fait qu'on a trouvé, on essaye d'être prudent, mais de regarder ça. Ça, c'est un phénomène qu'on n'avait pas vu arriver au cours des dernières années. Lors de l'arrivée du parc à chiens. Ça va être le défi des prochains mois. Bien, merci de votre vigilance et de votre implication. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est que ça va bien. Gênez-vous pas là, au prix que ça coûte. Là. Quand, le parc à chats? Le parc à chats, non. Ça, non, non. Ils sont plus délinquants, les chats. Bien, merci. Merci ça me fait beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Carignan, à moi, est-ce qu'il y a d'autres citoyens et citoyennes qui souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, Madame Carignan? Oui, je vais avec les dérogations mineures. Donc, la première, au 268 Avenue de l'Église, quartier Évin, présentée par Madame Catherine Royer et Monsieur Sébastien Pilon. Un avis favorable du CCU relativement à la localisation d'un plancher au drum, en cours avant. Je continue avec l'autre aussi. C'est deux favorables. Au 85-80 rang des Allemands, quartier McQuarter, présenté par Mme Cynthia Perrault. Un avis conditionnel favorable relativement à la construction d'une galerie. Et je fais la proposition pour ces deux recommandations. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Non? Alors, on est pour la suivante? Oui, au 5.3, le lot 5 460 874, quartier de Bellecombe, présenté par M. Raymond Bisson. Un avis défavorable du CESU relativement au déplacement d'un camp forestier. Et cet item, à la demande de M. Bisson, est reporté au 20 février. La résolution est quand même requise pour le report. Oui, mais j'en fais la proposition pour le reporter. Puis la proposition, Yves Drolet. Parfait. Merci beaucoup, Mme Carignan. Monsieur Philippon s'ennuie de lire les dérogations. Alors, aux affaires générales, Monsieur Chevalier. Oui, Mme Dallaire, on commence avec la liste du personnel engagé. Donc, cette semaine, on parle de 6 ressources. Ce sont des embauches temps partiel et occasionnel, notamment sur le service de la culture, service de proximité et le service des sports. Par la suite, les embauches. Donc, l'embauche de Mme Nathalie Morissette, commis aux encaissements. Mme Morissette possède une expérience de plus de 16 ans en tant que superviseur de magasin à rayon. Par la suite, M. Maxime Thériault, mécanicien B. M. Thériault possède un diplôme d'études professionnelles d'opérateur de machinerie lourde en voirie forestière et une dizaine d'années d'expérience en tant qu'opérateur mécanicien et soudeur. Ensuite, M. Marc Bélanger, mécanicien A. M. Bélanger détient une certification de qualification professionnelle de mécanicien d'engin de chantier et une autre de mécanicien industriel, norme du sceau rouge. Il possède une expérience de près de 14 ans en tant que mécanicien de machines mobiles et de machinerie lourde. Finalement, l'embauche de M. Diderot Mbouga, électricien, est proposée à la signalisation. M. Mbouga détient une attestation d'études collégiales en automatisation industrielle, électricien électromécanicien du Collège Maisonneuve. Auparavant, il avait complété un brevet professionnel des techniques industrielles équivalent à un diplôme d'études collégiales en électromécanique. De plus, il possède une quinzaine d'années d'expérience en électromécanique et en électricité. Alors, bienvenue. Félicitations à ces nouveaux employés. Puis, j'en fais la proposition, Samuel Randio. Je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Alors, je vous les octroie de contrat. Oui, on poursuit avec les contrats. Madame Dallaire, service professionnel pour le volet d'éclairage du terrain de balle de Granada, contrat octroyé de gré à gré à CIMA Plus au montant de 52 313 $ et 63 sous, taxes incluses. Proposeur. La proposition, Yves Drolet. Merci beaucoup. Par la suite, les ventes de terrain.
Vente du lot 6 554 174 au cadastre du Québec à M. François Ferland, chemin de la plage Mercier, quartier de Montbrun. Par la suite, autorisation de signature de l'entente concernant la réservation de terrain du lot 6 448 122 au cadastre du Québec, rue Bureau, et contribution de la Ville au projet. Alors, proposeur, et puis à... Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci beaucoup. On poursuit avec les autorisations de signature. Entente de droit de passage pour les motoneiges sur le lot 6 299 155 de l'avenue Davy. Renouvellement du bail entre la ville de Rouyn-Noranda et Glencore pour le laboratoire au centre Dave Keon. Faut tourner la page, ça va mieux. Renouvellement du protocole d'entente avec l'Association des propriétaires de chiens de Rouyn-Noranda concernant le parc à chiens, rue Cardinal-Bégin-Est. Ensuite, renouvellement de l'entente avec la Sûreté du Québec pour les services des cadets. Alors, pour ces autorisations de signature, pour ce renouvellement de bail ou d'entente, j'appelle la proposition Sylvie Turgeon. Et j'appuie la proposition Claudette Carnier. Merci. En 6.5. Oui, demande de décret d'autorisation ministérielle et autorisation de signature de l'entente de contribution dans le cadre du Fonds de réengagement de patrimoine canadien, du patrimoine canadien. Donc, un proposeur? J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Et finalement, renouvellement du programme des assurances de dommages 2023. Alors, avec le regroupement de l'UMQ, selon les conditions qui vous ont été soumises. J'en fais proposition, Mme la mairesse, Benjamin Tremblay. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Merci, M. Chevalier. Alors, au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Daniel Camden. Oui, bonjour. Premièrement, février, c'est le mois des soirs des Noirs. Et je trouvais ça important de souligner l'importance de leur histoire qui a bien été souvent occultée, modifiée, oubliée. C'est donc le bon moment pour réfléchir ensemble quel est l'héritage dans notre histoire que les personnes noires nous ont légué dans la collectivité de Rouyn-Noranda. Juste à vous tenir. Vous informez aussi que la mosaïque interculturelle organise plusieurs activités au cours du mois de février. On peut aller le voir sur leur site ou sur la page web de la Commission scolaire de la Ville de Rouyn-Noranda pour les activités du mois des Noirs. Et pour la... Je vous laisse aller. Merci, deuxième item, c'est la journée de la persévérance scolaire. Du 13 au 17 février, le Québec en entier soulignera le jour de la pertinence scolaire. Comme nous n'avons pas de séance publique du Conseil la semaine prochaine, nous voulons appuyer cette importante semaine à l'avance. La pertinence scolaire est un élément clé pour la réussite personnelle et professionnelle, et c'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui son importance. En effet, sans persévérance, il est difficile de poursuivre ses rêves et ses aspirations. Nous savons tous que les études peuvent être difficiles à certains moments. C'est pourquoi il est si important de soutenir les élèves dans leur parcours scolaire et de les encourager à persévérer, même en cas d'obstacle. Il est également important de rappeler que la persévérance scolaire n'est pas seulement une question d'effort personnel, mais aussi d'un environnement favorable. Nous devons donc veiller à ce que les élèves soient entourés de personnes qui les soutiennent et les encouragent à aller de l'avant. Enfin, je tiens, au nom du Conseil, à remercier tous les enseignants et enseignantes, membres du personnel des écoles, les parents et les membres de la communauté qui travaillent sans relâche pour aider les personnes à persévérer. En célébrant les journées de persévérance scolaire, nous célébrons également la réussite de tous les élèves qui ont su continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes malgré les obstacles. Le 16 février, dans le cadre de la journée persévère, je vous invite donc à faire comme nous. Ton micro ne fonctionnait pas. Le 16 février prochain, dans le cadre de la journée Persévère, je vous invite donc à faire comme nous et à porter le verre en guise de soutien à nos élèves. Et je vous invite aussi à prendre le temps d'encourager la persévérance scolaire à tous les niveaux, que ce soit au primaire, secondaire, collégial ou universitaire, et surtout reconnaître la persévérance comme un défi de tous les jours pour plusieurs de nos étudiants et élèves. Merci. Merci, M. Camden. Puis on se joint à vous. On sait à quel point c'est important. Alors, on est fiers de porter le ruban vert ce soir. Merci beaucoup.
Au niveau de la correspondance, on a reçu une demande d'appui au projet pilote pour la régionalisation de la main-d'œuvre immigrante en Abitibi-Témiscamingue, un projet de notre CLD. Donc, on connaît bien sûr la problématique de pénurie de main-d'œuvre et que ça met en péril certains développements chez nous. Et le centre, notre CLD, le Centre local de développement Rwanda, a travaillé à l'élaboration d'un projet pilote de centre d'accompagnement pour le recrutement de la main-d'œuvre immigrante. Et on veut ce soir appuyer le dépôt du projet pilote du CLD Rwanda au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. On veut demander, on appuie la demande à la ministre Fréchette d'octroyer au CLD Rwanda, à titre de partenaire privilégié du MIFI, un financement adéquat et un partage des responsabilités en fonction des forces du CLD Rwanda et du MIFI, et de demander au ministre d'accorder au CLD la somme de $652 050 afin d'orchestrer le projet pilote pour augmenter le recrutement des travailleurs étrangers temporaires et constituer le centre d'accompagnement pour le recrutement de la main-d'œuvre immigrante. Alors, chez nous, c'est une priorité. Alors, on veut bien sûr appuyer le dépôt du projet du CLD. Un proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Stéphane Girard. J'appuie la proposition, Yves Drolet. Merci beaucoup, messieurs. En 9, on a le fonds, le FRA volet 2, fonds région et ruralité. Donc, de 1, une résolution pour nommer les priorités d'intervention. Rapidement, dans le fond, le FRA volet 2, c'est soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Et on se doit confirmer nos priorités. On confirme la continuité des politiques de soutien aux entreprises, de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie et soutien à la compétence de développement local et régional pour la prochaine année. Donc, nos priorités qui sont le soutien au développement économique, le soutien à l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre, le soutien stratégique à l'entrepreneuriat, le soutien aux milieux ruraux, le soutien à la mobilité, transport, soutien à la planification, l'aménagement du territoire, le soutien au domaine social, culturel et touristique et au domaine environnemental et technologique. Donc, c'est une résolution pour adopter les priorités d'intervention. J'en fais la proposition, Mme la mairesse, Cédric Laplante. J'appuie la proposition, Claudette Carmien. Et on veut aussi venir réserver, s'approprier certaines sommes pour les projets villes. Donc, que la ville de Rwanda se réserve un montant de 204 000 du fonds du FRR volet 2 pour la prochaine année, pour les projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie dans les quartiers ruraux, et que la Ville s'approprie aussi un montant de 254 932 pour la même période, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour des projets réalisés par la Ville en lien avec ses engagements. Donc, on parle de 100 000 $ pour le développement économique, de 130 000 $ pour la coordination des milieux ruraux et de 24 932 $ pour la concertation régionale. J'en fais la proposition, Samuel Ramzioul. Je l'appuie, Sylvie Surgeon. Merci. En 9.2, dons et subventions. Donc, c'est une subvention annuelle à certains organismes à but non lucratif qui occupent des immeubles municipaux. Étant donné que ces organismes-là ne sont pas admissibles à l'exemption de taxes, la Ville avait convenu depuis 2012 de verser à ces organismes sous forme de subvention la totalité des frais au niveau des taxes municipales. Donc, on parle du club de tir au pistolet à la carabine, un montant de 4 360,97, du club de motoneigistes de Rwanda pour 5 792,96, du club de curling de Noranda, 4 655,97, le centre plein air Mont-Canasta pour 58 066,17 $ et le refuge La Bonne Étoile pour 7 775,21. Un proposeur, appuyeur.
J'appuie la proposition, Claudette Carnian. Monsieur Beauchamp, à 9.2.2, je vous laisserai le point. Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de l'entente de développement culturel, les projets suivants déposés par la Corporation de la Maison du Moulon pour 2023 obtiennent cette aide financière. Donc, on propose trousse d'activités pour aînés, 1 500 $, activités de Pâques, 700 $, église orthodoxe russe, 2 400 $, le centième magasin général, capsule vidéo, 4 000 $, toujours le centième, exposition au sous-sol, 2 500 $, centième, la gazette, 950 $, et toujours centième, soirée spectacle, 3 000 $. Donc, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Et le point suivant, M. Réal Beauchamp. Dans le cadre des projets culturels, programme de soutien, je vais vous nommer les organismes avec les montants. Donc, Parallèle 48 pour une subvention de 1 500 $. M'amuser pour 2 000 $. Vélo Action Rouyn-Noranda pour 4 000 $. Festival illimité pour 2 000 $. Donc, pour un grand total de 11 500 $. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie la proposition, Madame. Merci beaucoup. Nous en sommes à 9.3. Contribution financière au centre local de développement. Donc, deux résolutions. Une résolution au niveau du budget de fonctionnement, donc que la contribution pour 2023 de la ville de Rouyn-Noranda pour le centre local de développement de Rouyn-Noranda soit approuvée au montant total de 655 047 $. On parle de la subvention de base, la charge mobilière, de la gestion du bureau d'information touristique et que l'aide financière soit versée en trois versements de mars, en mars, en août et en octobre. Je peux peut-être faire la deuxième, on pourrait les prendre en bloc. Oui, absolument. Bon, à 9.3.2, la contribution toujours au CLD pour assurer son fonctionnement pour l'année 2023, donc une contribution de 230 381 $. À même l'enveloppe du Fonds Région Réalité volet 2, et qu'un montant supplémentaire de 135 000 soit également versé au CLD à même l'enveloppe du Fonds Région Réalité volet 2 pour le mandat relatif à la main-d'œuvre et l'immigration, l'attractivité et recrutement. Alors, un proposeur. Fait la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Stéphane Girard. À 9.4, dans le fond, c'est d'autoriser notre directrice des travaux publics et services techniques pour déposer au nom de la ville une demande d'aide financière pour le renouvellement de conduite d'eau du programme d'infrastructure municipale d'eau, donc PRIMO. On parle de la rue des Gagnés, des Rochers, la 15e rue, la ruelle Pinder-la-Tulipe. Alors, donc, que la ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation associés au projet, au programme PRIMO. En bloc ou… On pourrait peut-être les faire les deux, oui. Attends un petit peu, là, il ne faut pas que je me trompe. Bon, donc, le dépôt de la signature, l'autre, c'est autre chose, par exemple, mais on peut le faire, ça ne me dérange pas. C'est d'autoriser le directeur de la sécurité incendie à présenter au ministère… de la sécurité publique, une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel pour 2023-2024, le tout selon le tableau qui a été soumis aux membres du conseil. Fait qu'un proposeur puis à pour ça? Je l'appuie, Réal Beauchamp. Madame Turgeon, pour le point suivant. Est-ce que mon micro fonctionne, moi? Oui. Parce que ma voix fonctionne moins bien aujourd'hui. Alors, voilà, oui, je souhaite une proposition du conseil municipal pour déposer au secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux un projet de publicité et d'accompagnement auprès des aînés pour le transport collectif rural, le nomade. En fait, c'est un projet où on veut aider aux aînés des quartiers ruraux à obtenir de l'aide à se familiariser et à l'utiliser le système de covoiturage.
Il y aura des séances d'information, des choses de même, là, pour, comme je disais, là, pour familiariser les. Cette demande de projet-là, qu'on va demander au secrétariat aux aînés, ça rejoint un objectif, un axe là, de notre plan d'action MADA, qui on est, faut se rappeler qu'on est municipalité amie des aînés. Donc, dans notre plan d'action, on avait un axe là, qui était d'établir une stratégie et un plan de communication pour faire connaître les ressources et les services auprès des aînés et de leur entourage. Donc, en déposant ce projet-là, je pense qu'on va rencontrer cet objectif-là. Fait que je pense que c'est une bonne chose en soi. Voilà, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci. J'appuie la proposition, Claudette Carnian. Merci, mesdames. Madame Ramzéoul. Oui. Moi, mon micro fonctionne-tu? Ouais. Oui, en 9.5, en fait, on a l'adoption du rapport de consultation des producteurs agricoles sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda. En fait, à l'été 2022, il y a une agente de développement agricole qui avait été embauchée par la ville de Rouyn-Noranda pour faire un peu une tournée de nos producteurs agricoles, maraîchers et autres sur le territoire. Il y a plus d'une soixantaine de producteurs et productrices qui ont été rencontrés. Ça nous a amené beaucoup de nouvelles informations, de données qu'on peut garder précieusement pour continuer le travail, poursuivre l'amélioration au niveau du développement de l'agriculture sur notre territoire. C'est un projet qui avait été financé par le MAPAC et c'est pour ça qu'on dépose le rapport aujourd'hui. En fait, ça va vraiment contribuer à poursuivre les efforts qui avaient, entre autres, été commencés avec le plan de développement de la zone agricole dès 2018 là, en ce qui concerne le milieu agricole. Alors, ça, c'est des données très, très intéressantes pour poursuivre ce beau travail-là qui est déjà fait avec les équipes de l'aménagement du territoire ici. Alors, ça me fait plaisir de proposer l'adoption du rapport de consultation. Merci beaucoup. Il y a en 9.6 la demande de contribution pour le programme de rénovation Québec de la SHQ, donc de confirmer notre contribution, de renouveler notre contribution pour un montant de 24 000 $. Alors, un proposeur à Pierre. J'en fais la proposition, Samuel Ramzéoul. J'appuie la proposition, Claudette Carnier. Merci beaucoup. Maintenant, Madame la greffière, au niveau des procédures administratives. Oui, donc en 10.1, l'approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres conformes concernant une étude de concept de réaménagement de l'avenue La Rivière. Donc, il s'agit pour permettre un appel d'offres en service professionnel qui permettra par la suite une consultation là, des gens concernés de pouvoir aller en appel d'offres avec des critères et une grille. Alors, proposeur? La proposition, Cédric Laplante. Merci. Ensuite, une autorisation d'entreprendre un recours en responsabilité professionnelle. Donc, il y a des infrastructures municipales en eau usée qui ont été construites. Malheureusement, certaines problématiques sont rencontrées. Donc, l'objectif est de pouvoir réparer le tout aux frais là, des gens qui ont conçu le projet. On fait la proposition, Samuel Ravio. Puis la proposition, Yves Trollet. Merci. Au niveau des emprunts en fonds de roulement, un seul ce soir, remplacement d'équipement d'arpentage au montant de 37 800 $. L'appui Réal Beauchamp. Merci. Pour les opérations comptables, je vous propose de les prendre en bloc. Oui. Donc, à partir de l'excédent accumulé non affecté, le financement d'honoraires juridiques et d'honoraires professionnels de l'évaluateur signataire en matière d'évaluation foncière. Donc, annuellement, quand il y a des contestations et que c'est des entreprises, la ville doit être représentée par avocat. Donc, 33 095 et 57 $. 10.4.2, à même l'excédent accumulé non affecté également, financement d'une étude sur les tracés possibles de voies cyclables entre Évin-Granada et le pôle central. Donc, le processus est en cours de réalisation. Donc, c'est un montant de 30 000 $. À même l'excédent accumulé non affecté également, un plan de relève du service des technologies de l'information pour 10 498 et 75 $. De l'excédent toujours, les honoraires professionnels en cybersécurité, 18 477 et 80 $. Également, suite à la réalisation de différents travaux, il y a des règlements d'emprunt qui sont affirmés pour 2022 et le solde résiduaire de ces règlements-là totalise près de un peu plus de 12 millions, donc 12 396 446 $. Proposeur. J'en fais la proposition, Madame la mairesse Sylvie Turgeon. J'appuie la proposition, Claudette Carnier.
Merci. Et finalement, au niveau de l'émission d'obligation, l'appel d'offres sera ouvert là, le 9 février. Il y a une délégation à la trésorière. Par contre, ça nécessite quand même ce soir une résolution pour l'échéance de certains règlements. Là. Donc, on parle d'un refinancement de 9 907 000 $ qui aura lieu le 22 février 2023. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et j'appuie. Merci beaucoup. Merci, Mme Lagraffière. Mais on est bon, il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier ce soir. Donc, l'approbation des comptes. Je laisse juste une petite pause, puis vous revenez dans deux secondes. L'approbation des comptes au montant total de 2 462 228 et 48 sous selon la liste qui vous a été fournie, proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Ravzio. Madame Lafayette, au niveau des avis de motion, puis par la suite des règlements. Oui, donc, avis de motion, un règlement d'emprunt décrétant des travaux de voirie 2023 sur certains chemins ruraux. On parle du rang des cyprès et francœurs, de décohésionnement, de rechargement, de traitement de surface, de nettoyage de fossés, de reprofilage des accotements et remplacement et intervention palliative de ponceaux. Sur le rang Saint-Onge, aussi du décohésionnement, du rechargement et traitement de surface double. Sur le rang Sailleur, décohésionnement, rechargement, traitement de surface, nettoyage des fossés, reprofilage des accotements et remplacement de ponceaux, ainsi que sur le rang Pont-le-Roi, du décohésionnement, rechargement, traitement de surface, nettoyage des fossés, accotements, remplacement et intervention palliative de ponceaux, pour un montant total de 10 704 000 pour lequel il y a une subvention de 80 % qui provient du gouvernement provincial. Ensuite, ah non, c'est des avis de motion, mais oui, c'est ça. On va les faire en bloc. OK, parfait. Donc, par la suite, un règlement qui va modifier le règlement de zonage 2015-844 pour modifier la grille des spécifications de la zone 50-56. On est dans le secteur du rang du Vieux-Pont à McWaters pour y permettre la construction de bâtiments résidentiels en structure jumelée. Et finalement, suite à la demande de la Société de développement commercial du centre-ville de Rouyn-Noranda, une modification au règlement qui établit la cotisation à être payée par les membres pour augmenter de 5 % les cotisations qui sont payées. Alors, pour l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Madame la mairesse. Pardon? Je me suis entendue en écho, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Je donne l'avis de motion, Madame la mairesse. Ah bon, d'accord, c'est bon. Au niveau des règlements? Oui, donc, suite à l'avis de motion, là, concernant les travaux de voirie de 10 704 000 $ donc le projet de règlement est déposé. Également, concernant le zonage dans le secteur de McWaters, pour la cotisation de la Société de développement commercial et suite à la consultation publique qui a eu lieu précédemment à la séance publique. Donc, second projet du règlement 2023-1233 qui concernait les dispositions sur l'approvisionnement en eau potable. Alors, proposeur appuyeur pour les règlements. Je fais la proposition, Madame la mairesse, Cédric Laplante. J'appuie la proposition. Je pensais que c'était l'avis de motion. Non. J'appuie la proposition. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Lagraffière. La période de questions allouée aux journalistes. D'accord. Alors, sinon, la levée de la séance. Je propose la levée. Cédric Laplante. Cédric, vous posez la levée de la séance. Et je l'appuie. OK. M. Camden appuie. Vous n'êtes pas tellement gentil, je le dis publiquement. Alors, il y en a qui ont été rapides. Bonne soirée, tout le monde. Merci d'avoir été, d'avoir suivi la séance de votre conseil. Excusez-moi, mais, madame, messieurs. Bonsoir, tout le monde. Merci d'avoir été à la séance de conseil. Merci.